Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel de la rue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du moment. Il y a Facebook qui va faire sa nouvelle crypto-monnaie. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous trouvez ça plutôt une bonne chose? Qu'est-ce que... Moi, je pense que c'est pas bien, parce que, je sais pas, parce qu'après, les gens, ils vont se faire pirater. En fait. Ils peuvent se faire pirater, les gens. Donc... Je sais pas, c'est bizarre. Enfin, venant de Facebook, c'est un réseau social où on poste des photos, où on raconte notre vie, mais mettre de la crypto-monnaie, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. En fait, j'ai vraiment pas compris sur le moment. Et en fait, c'est juste une... Je pense qu'ils vont juste se faire de l'argent là-dessus, par rapport aux pubs, par rapport à tout ça. Peut-être avec les autres entreprises, je pense que c'est plutôt dans cet intérêt-là qu'ils doivent avoir ça. Moi, je trouve pas que c'est pratique du tout, crypto-monnaie sur Facebook. Ça peut être dangereux, hein. Oui, dangereux, bien sûr. Ouais, voilà, puisque on peut se faire arnaquer, ou bien... Des arnaques. Ouais, voilà. Non, c'est pas bon, je trouve. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Et si Facebook nous retire de l'argent sans qu'on le veuille, par exemple? Tout ce qui touche à l'argent, en plus tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, il peut se passer plein de trucs. Moi, je suis pas vraiment confiant sur ça. Je trouve que c'est plutôt une mauvaise idée. Pareil. Facebook, ils ont déjà beaucoup trop de pouvoir dans toute la vie privée des gens. S'ils ont aussi les dépenses et les achats, là, ils auront l'intégralité de la vie. Donc ouais, non, ça, c'est peut-être pas ouf. Après, de toute façon, ils peuvent le faire. On est libre d'utiliser ou pas. Donc, ça, en cas, tant que c'est pas un truc obligatoire, ça va. Oui, voilà. Donc ça devient pas la seule monnaie. Ouais, c'est vrai. Moi, je ferais pas trop confiance. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. De toute façon, tout ce qui s'oppose au système bancaire, pour moi, c'est une très bonne chose. Parce qu'on se fait arracher tous les ans par des frais d'agio, des sommes exorbitantes. Donc pour moi, voilà, ça peut être autant une révolution financière. Donc on pourra faire à suivre. Non, moi je pense que le Bitcoin, finalement, ça peut être un bon investissement. Mmh. Ça permet justement de contourner plein de... Plein de... comme tu dis, les histoires d'agio, de... Des frais, tout ça. Ouais, moi ça fait plusieurs fois que j'y pense. Après, j'ai peut-être pas assez d'argent pour investir dans le Bitcoin, mais je pense que si j'avais plus d'argent, c'est quelque chose sur lequel je me pencherais. En fait, le problème, c'est que c'est une grosse société privée, l'une des plus grosses sociétés du monde. Et que du coup, le problème, c'est si elle a contrôle, elle en tire un gain qui est énorme. Alors que par exemple, quand on prend le Bitcoin, c'est une monnaie qui est complètement libre et que du coup a pu augmenter, descendre comme elle veut parce qu'elle est complètement libre. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui ont gagné et pas forcément une société qui a gagné. Là, je m'y connais pas forcément en crypto-monnaie, mais du coup. S'ils s'y mettent, c'est qu'il y a moyen de se faire beaucoup de sous dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un petit commentaire. Si vous voulez en voir plus, ici ou là-bas. Sinon, abonnez-vous ici.